Maxime, tu étais l'énorme favori avant la course. Marc, je pense que tu as la même question. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression avant le départ, sachant que tu es vraiment l'énorme favori de la course ? Il y a toujours un petit peu de pression quand on monte des favoris comme ça. On sait qu'on a la première chance de la course. Voilà, il ne faut pas les louper. C'est des courses très très importantes pour tout le monde. Donc voilà, le cheval venait de finir deux fois deuxième. C'est ses courses précédentes. Donc voilà, là, il avait tout pour lui aujourd'hui. Il ne fallait pas la louper. On ne l'a pas loupé. Le cheval est resté au top vraiment toute l'année. Il faut vraiment féliciter Monsieur Fabre et son équipe, ils ont fait du bon boulot. Même si tu commences à être habitué maintenant des grandes épreuves, mais sortir en piste là devant 80 000 personnes en plus qui comptent que sur toi, ça fait quoi ? Non, mais voilà, faut pas trop penser à tout ça, sinon ça rajoute de la pression, ça sert à rien. Il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire. Voilà, maintenant, une fois que les boîtes s'ouvrent, il n'y a plus de stress. Hein, on pense à la course et c'est parti. Mais voilà, on se rajoute pas de pression. Tu as déjà gagné les grandes courses, mais celle-ci, quelle place elle a aujourd'hui dans ton cœur, dans ta tête, un peu parmi les plus grandes émotions que tu as vécues ? Ben, ça fait plaisir. Hein, c'est un groupe 1. Voilà, c'est le dernier de l'année. Donc, c'est important comme toutes les victoires de groupe 1. Donc c'est sûr que j'ai vraiment été très très content quand j'ai gagné le Jockey Club et le Diane. C'était encore différent. Donc, je suis vraiment très très content d'avoir regagné aujourd'hui, c'était important. Je reviens dans 15 jours, passer un mois et demi ici, donc voilà, ça va peut-être m'aider aussi, donc tout est parfait. Merci beaucoup Maxime. Merci.